Ça marche. Coucou les petits copains, les copines. Aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait du Kingdom New Lands, voilà. J'envoie les petits messages. Et dès que j'envoie les petits messages, je lance le jeu. Alors j'ai une petite voix, hein. Je suis malade. Voilà. Le nain m'a contaminé. Vous aurez le loisir de me voir me moucher régulièrement durant le stream. J'essaie de couper mon micro à chaque fois. Ah. Bon. Ah oui, j'ai pas le son sur le casque. Ah, c'est mieux avec le son sur le casque. C'est mieux. Et on va commencer le jeu. Faut que je mange mon contrôleur aussi. Parfait. Allez. Donc du coup, on était sur quelle île ? Île 4. Je crois qu'on avait trouvé le petit panneau. Donc c'est pas grave si on décède. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si on arrive à battre notre corps de longévité sur une île. On est au jour 21. Ok, ça c'est l'extérieur. Le son est un peu fort, ouais, ouais, le son est un peu fort, effectivement. Je vais baisser le son. Alors, calme-toi. Ça devrait être mieux. Bien sûr, on a la monture complètement pétée, la licorne. Et du coup, il va falloir qu'on récolte un max d'argent pour tenir le plus longtemps possible. Bon sang. Continue d'alimenter notre petite boulangerie pour que les petits péons puissent venir. Là, on fait un maximum de tourelles. Continue lentement d'avancer et de créer des remparts, etc. Il y a un côté de l'île, je crois qu'on avait déjà entièrement... On a entièrement rasé, je crois que le bateau a été envoyé, on regardera. Dès que le jour sera revenu.
prochain portail est cassé. Cassé. Du coup, c'est pas mal. On va essayer de construire un gros mur ici. Vaut mieux pas faire ça. Vaut mieux d'abord construire le mur et après on verra si on a suffisamment d'or pour améliorer la toile. Oui, vous aurez peut-être la chance et l'occasion d'entendre des gens derrière moi. Le petit tousser dans le fond, parce que lui aussi est malade. Et du coup, on va aller voir ce qu'on a comme temple de l'autre côté. C'est une lune rouge, mais il devrait s'en sortir. Super, donc effectivement on avait lancé le bateau, donc si on a besoin de s'échapper en urgence, ce sera possible. C'est vrai que les temples étaient super loin. Faire ça. Donc là, on va faire en sorte que nos murs soient plus efficaces. Ils durent plus longtemps. J'ai plus le chat. Voilà. Là, j'ai le chat. Notre portail. Et est-ce que il nous reste la statue des archers, je crois. Non, elle était de l'autre côté, la statue des archers. On va tout casser. Car c'est notre royaume, notre bataille. Notre couronne, nos entrailles. Merci, vous êtes bien braves, messieurs. Dames. Messieurs, dames. On va laisser une pièce ici, ok, où il y a un petit perron qui pop. On va prendre notre ingénieur. Notre ingénieuse ingénieur. Là. Récupérer un maximum d'or.
Petite pièce là. Notre but, c'est vraiment de stocker l'or. Stocker l'or et avoir du peuple. Ok, il n'y a pas d'autres petits péons qui traînent. Qui a ouvert. Hop, viens là, petit péon. Avec la petite musique creepy, bien sûr. Je vais me caler un peu plus confort, un peu plus dans le confort. C'est de faire un magnifique jeu de lumière, voilà. Le tuto caméra pourrie vous est présenté par Crystal, voilà. Donc du coup, nous on va aller donner notre or au banquier. Il est où? Il est là. Ça devrait suffire. Après, du coup, on va pouvoir faire nos petites tourelles. Fait. Fait. On va redonner de l'or à notre banquier. Ça devrait suffire. Pareil, ouais. Essayer de donner de l'argent au banquier. Maintenant qu'il y a plein de péons qui traînent, donner de l'argent au banquier, c'est vraiment difficile.
C'est tout, on va pas faire mieux. Faut qu'on fasse d'autres fermes, il n'y en a pas assez. C'est pas forcément qu'il n'y en a pas assez, mais disons que... avec celle qu'on a, on peut pas faire d'autres fermiers, alors que ça nous arrangerait d'en avoir plus quand même. Coucou Parmifère! Comment ça va? Votre matinée s'est-elle bien passée? Oh! T'es trop malade, t'es pas allé au boulot? Ok, cool. Ça a l'air bien sympa cette petite angine, hein? Je donne plus d'argent au banquier. J'ai pas besoin d'avoir de l'argent sur moi. Pharyngite, cool. Et ça se soigne comment? En restant au chaud? Donnez-moi de l'argent. Ah ouais? Ah oui, d'accord, oui, c'est clair. Du coup, c'est clair que c'était awkward. Genre, oui, j'habite à deux endroits, en fait. Je vois alors. Ok. Bah, c'est toi qui vois, hein. Moi, je suis malade de toute façon. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis malade. C'est toi qui vois si tu veux être malade avec moi. Si tu préfères... rester malade tout seul chez toi, tu vois. Pesto ifou. Ah, trop cool. Tu me diras si t'as bien aimé. Mais bon, moi j'ai trouvé ça super bon. C'est un mulder qui traîne.
En ligne, non, je crois pas. En tout cas, pas tout de suite. Enfin, c'est peut-être prévu, hein, parce qu'il y a un mode console qui est prévu, donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas eu. Pas vu que ce soit possible ou pas. En tout cas. Alors, allons voir ce qu'on peut construire à gauche. Parfait. La toile. Je crois que le portail d'après est loin. Je vais aller voir. C'est loin, on va pouvoir se déplacer jusqu'ici, oui. Alors, et il est là. Ok. Ok. C'est des pièces derrière nous. Des fois qu'il y a des petits monstres qui sortent du portail, qui essaient de taper sur nos potes. Et puis. Demain, on lancera. Ah, quoique. Approchez les builders. Faire ça maintenant. Ce sera fait. T'as prévenu ton boulot du coup parmi? On va semer des pièces en espérant que les monstres mangent les pièces et pas nos potes. Mais sérieux? Fais pas demi-tour! Qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoutez. L'instinct de survie n'était pas puissant dans ce personnage.
Je pense qu'on a assez de petits bonhommes qui se promènent. On va aller faire. On va avoir une ferme immense, ça va être parfait. On va aller améliorer nos murs avant que ce soit une catastrophe. Ah, tu t'es brûlé? Parce que t'as sorti l'assiette du micro-ondes et qu'elle était trop chaude, c'est ça? Ah, t'es... Bravo! Bravo! Améliorer le mur derrière. Bah, le mien, on l'a payé 0 €, tu vois, carrément, quasiment. Enfin, tu l'as gentiment acheté, pas très cher. Donc, du coup, c'est clair que. C'est clair qu'il est pas top. Voilà, c'est le premier prix du micro-ondes. Alors que le tien, c'est un micro-ondes déjà qui a un certain âge. De notre temps, on savait faire des trucs efficaces. Oh là là, je sais pas si on va survivre, hein. C'est bon, on a tenu. C'est parfait. Qu'est-ce qui s'oxyde à l'intérieur? T'as pu voir ce que c'est? On va faire la ferme. Ça, on va pouvoir faire plein de fermiers, parce que cette ferme peut accueillir vraiment beaucoup de fermiers. J'ai plus de pognon. Parce que là, les fermes, il y a tellement d'argent dedans que j'en arrive même plus à récolter.
Voilà, là il y aura la blinde de fermier. Eh ben c'est bien, hein, c'est les grosses ambiances, la musique des grosses ambiances. J'ai plein d'or sur moi. Parfait. On va attaquer le portail d'après. Les petits builders, on va courir. Ok, les nos potes ont même pas pris de dégâts, c'est parfait. Parfait. On va faire se bouger le fion. Les petits builders à force bouger parce que bon. Parfait. Du coup, vous allez améliorer ce mur-là. Coucou Shad, comment ça va? Bon, là ça me semble compliqué. Je pense que ça va être compliqué.
Ça s'annonce dur. Je sais pas combien de murs ils vont me casser. Ouais, t'as vu, hein, elles sont horribles, les bestioles, hein. Ben, je pense que ça va être la réduction à néant du côté gauche de la map. C'est pas grave, c'est pas grave. Y'en a pas d'autre. Il fait nuit en plus, je vois rien. Je vais régler mon écran. À tes souhaits. Eh ben. Est-ce qu'ils vont réussir ici à se sauver ou pas? Je crois qu'on a plus de chiens par contre. Voilà, donc là c'est le moment où on va essayer de récupérer tous les petits potes qui se sont fait casser la binette. Sachant que par chance, en fait, tous leurs outils sont restés par terre parce que comme il y avait des archers pour tuer les petites bestioles, y a quand même un certain nombre de petites bestioles qui ont été tuées avant qu'elles aient réussi à... Ok, on a évité de peu une autre vague. Faire d'autres builders, on va en avoir besoin. C'est là qu'on va voir le banquier qu'on a dit, s'il te plaît.
faire aussi plein d'archers. Et on va reconstruire les murs. Du coup, vous avez vu les murs énormes là contre les gros monstres, ça fait absolument pas le poids. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut les reconstruire direct en n'utilisant que 4 pièces d'or. Un coût beaucoup moins important. Est-ce qu'on a une statue des archers à gauche? Parce que nos archers aussi, comme ils sont nuls. Ouais, c'est ça, elle est là. Cool. Comme nos archers sont nuls pour se défendre, c'est l'horreur. Voilà. Et là, tout d'un coup, ça va aller vachement mieux. Ah, il faut que je refasse une catapulte pour ce côté-là aussi, du coup, vu qu'elle a été cassée. Et bah, on n'est pas rendu. J'ai pas fait assez d'archers. Bah oui, la bière du corbeau, c'est un super bon. C'est conseillé par tous les médecins contre la pharyngite. T'avais oublié que c'était. Oui! Un C10 degré, tout à fait. Le fameux C10 degré, c'est. Recommandé contre la pharyngite. Ouais, ça se voit que t'en peux plus, oui. Il a un médecin qui est passé chez lui. Du coup, t'as un arrêt de travail, Yaya? Je sais pas si ça vaut le coup d'ailleurs d'avoir plus un arrêt de travail ou simplement de poser un congé. Donner de l'argent à la statue des builders. Par midi, c'est bon. Il dit c'est bon. Je sais pas s'il a un arrêt ou s'il a posé un congé, mais voilà.
suppose que ça veut dire qu'il se débrouille. Qu'il est grand. Ah, son repas! D'accord, ok. Eh ben écoute, c'est tant mieux. Aucun rapport. Parfait. Non, non, j'ai pas besoin de ton argent, manqué. Garde-le. Tiens, regarde, je t'ordonne. Ah, mince. Toi, tu viens avec moi. Bien, tous les murs vont être améliorés. Ça devrait être plus facile quand même de tenir. J'ai encore oublié de faire une catapulte, bien sûr. Salut, Elendel. Comment ça va? Ta journée s'est-elle bien passée? Toujours les cheveux aussi bleus, tout à fait. Toujours les cheveux aussi bleus, comme on pourrait s'y attendre. Et malade! Malade, malade, voilà. Ah, si tu veux, je peux répéter, je peux répéter, répéter même. Je disais donc, ça va, juste un peu malade. Bah quelle idée, écoute, si je pouvais m'en passer, je le ferais, tu vois, mais a priori, c'est indispensable. Une bonne crève de temps en temps, y a que ça de vrai, il paraît. Alors, est-ce qu'on a des petits péons qui ont été attirés là-bas? Ah, il y a encore un mur là. Faut qu'on le construise. The. Faut qu'on le construise The. Toi, tu reviens avec moi. Donner de l'argent au banquier aussi. Et ouais! C'est un ermite et celui-là il m'aide à améliorer les tourelles, le dernier niveau. Pour en faire les espèces d'arquebuses là que tu vois derrière et qui balancent des grosses 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 flèches dans les mobs. Ça a que dalle à tirer de petits bonhommes. La boulangerie. Je vais être short niveau building, niveau builder. Parfait.
Parfait, parfait, parfait. J'ai pu mettre beaucoup d'argent dans la banque, donc je vais pouvoir récupérer. C'est de la faute, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. Rien n'est de ma faute. Je suis tout le temps innocente. Ah non, Alicante, tu vas pas t'essouffler maintenant. C'est pas le moment. Et ben voilà, ce fut efficace. Faire des fermes. C'est ça. Et ouais, je suis blindée de thunes, mais il faut, hein, parce que là, j'essaye de battre mon record de longévité sur une île. Donc, il faut vraiment être blindée de thunes pour le faire. Hein. Ah, du coup, t'as regardé du coup d'autres personnes jouer? Et du coup, ça donne quoi? Parce que moi, j'ai jamais vu personne y jouer avant d'y jouer moi-même. Hey, reviens là, petit péon. Tiens. Ah ouais, avec moi on a l'impression que tout est simple et facile. Et ben en fait ce n'est pas du tout le cas. Hein. Voilà, c'est super chaud. Et je m'en sors parce que j'ai beaucoup beaucoup joué. Peut-être se construire un portail. Là. Voilà, c'est bien. Ça comme ça. Ah mais n'avoir aucune pièce, c'est super pénible. Mais bon, après je sais comment faire des bons débuts de partie, donc du coup. Y a un petit péon qui traîne. Petit péon qui traîne. On va aller à gauche. Non, on va aller à droite. Et on va récupérer plein de pognon. Oups, le TP direct. Tu restes avec moi, j'ai dit. Oui, ça, j'ai récupéré quelques pièces. Ah, c'est pas assez. Vu qu'il y a le bateau qui est tout à droite, je vais regarder si le bateau a par hasard quelques pièces que dalle. Que doule, que doule. C'est bon, je devrais avoir pile le compte. Voilà, super. Comme ça,
L'hôtel des builders est encore actif, ce qui fait que du coup, les builders, quand ils reconstruisent des murs, ils les améliorent et ils sont quand même beaucoup plus solides. Voilà. On en est au jour 35, ok. C'est un peu plus d'un tiers de mon objectif. Et on a déjà failli se faire raser la base, voilà. Hein. Parce que l'Amnel n'était pas là tout à l'heure, mais on a failli perdre le royaume et devoir fuir en d'urgence. J'ai un autre portail. Oui, parce que celui-là, en fait, le portail qui est derrière, je l'ai planté, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, il se téléporte sur un autre portail qui est exactement au même endroit, parce que j'ai construit les deux portails au même endroit comme une andouille. Ah non, non, mais tu verras pas de rasage dans les formes, hein. Je ferai en sorte de ne pas mourir une quatrième fois. Pratique les petits portails quand même, hein. Oh, mais le gars, il a mangé tout mon pain. Ah non, c'est bon, il est pas tout seul. Non. Je sais m'organiser en fait, sauf quand je derpe. Ça arrive, hein, mais c'est rare. Le bateau étant au bout de l'île, si je vois que c'est vraiment trop l'embrouille, je me barre. Pourquoi j'ai récupéré un boulanger, moi? Il va falloir que je retrouve mon autre ermite. Ah bah oui. Notre ermite est là, voilà. Alors, effectivement, oui, j'arrête pas de le dire, dans ce jeu, hein, on est particulièrement cruel, c'est-à-dire qu'on abandonne tous nos potes. Et on se barre en courant, juste pour sauver la couronne, quoi. Allons chercher de l'or. Gens qu'on aura exploité, hein. Parce que on leur donne une pièce d'or au départ, en faisant croire qu'ils pourront devenir riches. Et au final, pas du tout.
Dans tous les cas, ce jeu, on ne peut pas rester avec notre peuple tout le long, parce qu'on finit quand même par se faire voler notre couronne. Ah, on peut, hein, mais dans ce jeu-là, c'est clairement pas le principe. J'ai même envie de dire au contraire. Je considère qu'on est le personnage le plus important et il faut qu'on survive. On prend avec nous 3 archers, 4 archers, 3 builders, éventuellement le chien et un ermite, mais c'est tout. Oui, il y a la monture. Pas de petit père qui se promène. Je fais beaucoup de builders parce que dans les tourelles, c'est des builders qui se mettent. De Noé pour les humains, ouais, c'est un peu ça, ouais. Sauf que Noé il sauve toutes les espèces animales, tu vois, même les moustiques, alors que nous on sauve que ceux qui nous arrangent. Je fais la blinde de tour même à l'intérieur parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand les murs sont cassés, c'est quand même agréable d'avoir des tourelles partout. Et je joue pas à ce jeu pour le côté voilà, social et tout ça. Je joue à ce jeu parce que j'adore les mécaniques de gameplay qui sont mises en œuvre. S'il avait pu oublier mes sticks, bah voilà, bravo, tout de suite. Et certaines espèces animales, on n'en veut pas. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'il n'y a plus de petit portail à gauche, donc on va attaquer le gros portail. Je suis pas spéciste, mais les moustiques, c'est quand même sacrément nul à chier. On peut pas les manger. Ah, yep. Ils font que nous emmerder. Après, c'est clair, c'est clair. Non, c'est juste le je suis pas raciste, je suis pas machin, je suis pas bidule, mais insérer ici quelque chose de raciste. Ou bidule, enfin bref. Ah non, il y avait encore un petit portail. Ok. On va se faire latter. Voilà, c'est officiel. Voilà, référence à tous les tontons racistes.
Bon, en plus, ça a été détruit super rapidement. On est dans un bruit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un max de pognon derrière nous. Voilà. Espérons que ça suffise à endiguer le gros. Eh oui, mais les pauvres bestioles, on les tue, voilà, c'est 8 sur 20. Non. Voilà. Ouais, bien sûr, nos archers ils ramassent tout, quoi. Parfait. Donc là, du coup, on va faire la strat des gens qui veulent survivre le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'on va mettre tout notre pognon dehors. Comme ça, la vague de petits monstres, s'il y en a une, hein. Voilà celle-là. Au lieu de taper le mur. Mais barre-toi, builder! Oh là là! Au lieu de taper le mur, ils vont essayer de voler les pièces, du coup, ça va les occuper. Je sais pas si vous voyez bien ce qui se passe, hein, parce que c'est un peu confus. Heureusement que nos archers sont des snipers, hein, parce que sinon ça serait vraiment les embrouilles. Eh ben ça va, on s'en est bien sortis, hein. Ouais, ils nous ont volé plein d'outils, mais on s'en est bien sortis. C'est moins pire ce que je croyais. Et oui, il y a plein de monstres. Maintenant, quand on détruit un portail, les représailles, c'est violent, quoi. Alors, on va regarder s'il y a un autre mur après. Y'en a un qui est caché là-dedans, quoi. On va faire l'action la moins intelligente du monde, voilà. On va casser plein d'arbres et on va se barrer en courant. En fait, c'est pas la vague régulière, ça. C'est si je casse un portail, les représailles vont être terribles. Donc là, j'ai cassé un portail, ben les représailles, elles ont été horribles. Si je casse pas de portail, les vagues sont quand même moins importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gros monstres, en fait. Et si Elendel n'est pas remboursé, on vous rembourse. D'accord, ok, c'est un peu complexe. Qu'est-ce que j'attends qu'à son portail? Bah, déjà, je vais donner de l'argent au banquier. Déjà, en premier lieu. Ok, notre ingénieur, il est là, c'est bien. Voilà. Ah, parce qu'il y a une mécanique du jeu que vous avez pas encore vue. Ah non, c'est pas le bon portail. Quelle andouille.
grave. L'argent, si j'en veux, je peux en avoir plein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plein. Comme on peut le voir. Oh la mince, il fait nuit, j'ai des RP. Voilà, donc à part quand je fais des actions de ce goût-là, je ne décède pas. Mais quand j'en fais des comme ça, en général, ça se passe mal, quoi. Heureusement que j'avais pas un type sur le dos. Allez, on va refaire un portail là. On va faire tourner ici. Surtout, on va faire le mur là-bas. Auquel on a déforesté. Voilà, exactement. Ici. Ah, il y en a un plus près. Ici. Avec une tourelle juste derrière. C'est bien ça. Alors, derp, herp, derp, ça te dit quelque chose, Lendel? Allez, les builders. On va se bouger. Oui, voilà. C'est un truc qui est vachement utilisé sur Internet, herp, derp. Derp, en général, c'est le bruit que fait quelqu'un quand il fait un truc alors qu'il a son cerveau qui en veille, en fait. Quand on fait une action alors qu'on n'y a pas réfléchi, par exemple, on peut dire derp. Et du coup, DRP, c'est la version francophone où tu conjugues le mot. Non, non, je ne veux pas de pognon. Bon. Je suis un faux geek. Ça arrive à des gens bons. Ah, faut que j'améliore l'hôtel des builders. Ah mince. C'est échec. J'ai mis trop de temps à utiliser le portail. Parce que je savais pas trop où je voulais atterrir. J'ai pas de bot qui strike les liens parmifères pour l'instant. Dis qu'on le sait. Ah oui, et redébuilder.
Bien que maintenant, la majorité des gens qui font de la gestion de serveur web sachent faire de la gestion de serveur web, il arrive encore qu'on tombe sur des gens qui ne sachent pas faire. Voilà. Notamment sur les sites un peu vieux. Notre banquier, lui, il va récupérer le pognon. Ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui pop. On retourne voir le banquier pour lui donner de l'argent, parce que c'est bien d'avoir de l'argent chez le banquier, parce que des fois on n'a plus d'argent et c'est bien d'avoir le banquier. Bah, bon après-midi, Chad, et bon courage! Pour le boulot, tout ça. Ensuite, on va aller tout à droite pour activer la statue. Bon, déjà, on va apprivoiser notre petit camarade là. Là. Ensuite, on va aller tout à droite récupérer plein d'argent. Et activer l'hôtel. Alors. Revenons légèrement sur nos pas, parce que je sais qu'il y a un peu d'argent à gauche. On va faire même. Hop. On va construire ce mur comme ça, il y aura les archers de la gauche qui seront juste à côté du portail, ça m'arrangera, ça sera quand même plus simple. Vu qu'on a de l'argent maintenant. On peut charger l'hôtel. Une fois qu'on aura chargé l'hôtel, on va aller de l'autre côté. Je construis les tourelles parce qu'on sait jamais, hein, quand c'est le bazar, des fois c'est bien d'avoir les tourelles construites à l'avance. Oh, je peux encore faire des fermes ici. Pourquoi pas? Fric égale pognon. Les pauvres builders, c'est la galère.
Ça ne construit pas, ça court partout. Faire un peu d'aménagement du territoire. Si je pouvais détruire des trucs aussi ou demander à des builders ou des archers de changer de métier, ça serait super pratique, mais c'est pas le cas. Un peu du gaspillage, mais bon, de toute façon, vaut mieux que je les mette là plutôt que dans la flotte, les pièces. Parfait, donc on a réussi à utiliser pas mal de notre pognon pour aménager un bout du territoire sur lequel on n'avait rien. Ah, ça y est, non. Bon. Et là, c'est le début des embrouilles, là. Ça va commencer. Ça va commencer. C'est là qu'on va plus pouvoir laisser l'argent tomber dans la mare. Et c'est à partir du coup du jour. L. C'est combien L? C'est 30? 20? Ça serait beaucoup. Je pense pas en être au jour 60 quand même, hein. C'est encore plus le moment de donner beaucoup d'argent aux banquiers en fait. Donc là vous allez voir une mécanique de jeu qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, parce qu'on n'était pas resté sur les îles aussi longtemps. Ça met un peu de temps, je crois que ça met deux jours à se mettre en route.
J'ai rentré. Il va falloir que je récupère leur pognon parce qu'ils ont les fouilles pleines. Et la musique du tout, le thème musical change bien sûr. C'est aussi le moment le moins passionnant du jeu parce qu'on va faire surtout beaucoup d'allers-retours. Pour donner de l'argent au banquier. Varenne, pas de soucis, t'inquiète pas. Pas grave, hein. Comment ça va? Plus mes fermiers. A-t-il migré? Sont en train de migrer vers une autre ferme. Mais c'est ça que de pas se coucher à 21h30. Haha. Eh ben écoute, bon après-midi, Landel, bon courage pour le boulot. Merci d'être passé. Ça va commencer à être pénible.
Donc du coup là on peut le voir, hein, je sais pas si ça se voit très très bien, mais tous nos fermiers sont là. Ils sont tous revenus au château, parce que c'est l'hiver, et l'hiver, rien ne pousse. Et ouais, ça va. Heureusement d'ailleurs que j'en ai, parce que vu la taille de l'île, ça serait vraiment trop pénible sinon. Non, c'est pas possible, parce qu'il n'y a plus d'herbe par terre non plus, et il n'y a que quand elle mange de l'herbe qu'elle fait caca de l'or par terre. Ah non, j'ai pas expliqué, non, c'est la première fois qu'on le voit, donc t'inquiète. Eh ben, on espère d'avoir suffisamment d'or chez le banquier pour que ça dure. Parce que l'hiver est une saison sans fin en plus. Là en plus, comme il y a plein de fermiers, j'arrive pas à viser le banquier pour lui donner de l'argent. Eh oui, faut savoir. Faut le savoir. Mais bon, t'as du temps, hein, parce que si t'arrives à durer aussi longtemps en nombre de jours avant que l'hiver débarque. Voilà, le problème c'est que du coup comme j'ai énormément d'or qui est récolté tout au même endroit, j'en perds beaucoup. Oui, il peut. Mais du coup, en fait, comme les fermiers sont tous revenus avec les poches pleines d'or, du coup, ça en sème partout. C'est pas top. Mais poussez-vous, oh là là. Plus, je suis obligée de faire des manœuvres pour éviter que les pièces dépopent, parce qu'elles finissent par dépop. Elles ont durée de vie.
Donc c'est la nuit, bien sûr, hein, voilà. Le truc aussi, c'est que du coup, comme c'est l'hiver, galoper est dangereux parce que si notre cheval s'essouffle, il peut pas reprendre son souffle facilement. Et je disais, parce que j'avais pas vu que mon micro était mute. L'objectif Steam, c'est d'atteindre 50, 100 jours. Et là, on en est à 45. On est à 45 jours. Allez, banquier. Là, du coup, vous me direz, mais à quoi servent les fermiers puisque de toute façon il neige et qu'ils peuvent plus cultiver? La réponse est à rien, voilà. Donc on a plein de fermiers chez nous qui servent à rien. Banquier? Ah, parfait. On a enfin réussi à donner tout notre argent pour le conserver quelque part. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment ça se passe du côté gauche. Puisqu'on ne sait pas comment ça se passe du côté gauche. Excusez.
On a bien fait de venir, hein, parce que les archers sans amélioration, c'est nul. Ce mur, je vous prie. Non, mais je voulais pas faire de ferme, qu'est-ce que... What? Je n'ai pas fait ça exprès. Alors... C'est le mur qui est amélioré. Donner de l'argent à notre banquier. En allant très lentement. Voilà. Parce que c'est pas très rapide. Donc là, on assiste à une mécanique sympa du jeu, qui est que les fermiers, au bout d'un moment, quand ils ont pas de boulot, ils jettent leur fourche dans la flotte, donc on la récupère pas, hein. Mais du coup, ils sont à nouveau disponibles pour être autre chose, donc je vais faire plein d'archers. Et ouais, les petits machins qui flottent et tout, enfin... C'est stylé, c'est clair. Bon, c'est juste une saison pourrie, quoi. Mais le... graphiquement, c'est chouette ce qu'ils ont fait. Avec la neige et tout. Avec la petite musique des sales ambiances. Avec la lune rouge. Pas moyen de faire en sorte que... suis dans le noir. Voilà, je suis plus dans le noir. Bien sûr, quand j'essaie de faire galoper ma monture alors qu'elle est asthmatique, elle se cabre. En me disant bien fort qu'elle n'est pas d'accord. Oh là, ça a tenu. Le chat. Le chat. Quel chat? Que se passe-t-il? Le chat est-il cassé?
VOD de mes commentaires sur votre Thermos. D'accord. Ok. De toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter. Encore quelques petites minutes. Voilà, et là on arrive au moment où on n'a presque plus d'argent. Du coup, ça va commencer à être chaud. Il y a encore les archers tout à droite qui ont peut-être encore du pognon, donc je vais aller les voir, on sait jamais. Si je peux, je peux faire du pain, mais ça sert à rien. Je dépense de l'or alors qu'en hiver j'ai que des allers. Tout ce que j'ai à faire c'est des allers-retours quoi en hiver. Et puis comme t'as vu, j'ai pas vraiment besoin de petits bonhommes pour l'instant. Parce que tous mes fermiers, je peux les reconvertir en archers du coup. Mais le blé, je le stocke sous forme de pièces d'or dans la banque, voilà, c'est tout. Après, il y a eu une mise à jour, peut-être qu'ils ont arrêté l'hiver et qu'il y a un printemps au bout d'un certain temps, je sais pas. C'est fort improbable. Ah. Un cake aux euros, d'accord, mais je veux bien un cake au billet de 500 euros. Les roses, parce que je préfère la framboise. Moi, ça me va très bien. Ah ouais, les billets de 500 sont plus autorisés. Eh ben. Manquait en fait là, il court vers moi pour me donner du pognon, mais j'en veux pas de ton pognon, je veux que tu le gardes le pognon. Du coup, on va aller à gauche, et tout ce qu'on va faire, c'est essayer de survivre. Ça va être absolument inintéressant au possible. Donc je pense que je vous épargnerai cette partie du gameplay. Et je ferai ça en dehors des heures du stream du midi. Quitte à le streamer, mais à un autre moment de la journée. Parce que sinon vous allez vous ennuyer, quoi. Ah. Parce qu'en gros, maintenant, le but, c'est juste d'espérer que le build qu'on a fait est suffisant par rapport à... aux vagues successives qu'on va se prendre dans la tête, quoi. Parce qu'en plus, comme c'est l'hiver total, il n'y a même plus de biches dans les bois, quoi. Il n'y a aucun moyen de récupérer de l'or.
Ouais, mais la tour, je l'améliorerai pas. Justement, je veux garder mon pognon maintenant. Je veux le garder au maximum pour pouvoir refaire des archers si ça se passe mal. Quel gros reportail est juste derrière. Tiens, vu que vous êtes là, je vais vous montrer le gros portail. Voilà. C'est possible de le casser. Et si on le casse pendant... Le problème, c'est qu'il revient au bout d'un moment. Et du coup, il faut avoir le très bon timing pour le casser au moment où il réapparaît. Parce que sinon, on se prend les représailles dans la tête. Et du coup, les représailles dans la tête, c'est... C'est juste pas possible. Voilà. J'attends que le soleil se couche et je vais sauvegarder et quitter. Tu mérites une tape derrière la tête pour réflexion raciste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve vendredi avec du Thomas Was Alone. J'étais en jeu mon contrôleur. On se retrouve vendredi avec le Thomas Was Alone ou samedi avec du Mirror's of Icarus Online. J'aurai peut-être d'autres personnes pour jouer avec moi, n'est-ce pas, Varen par exemple? Alors c'est pas raciste, c'est classiste, du coup c'est dire que les gens qui habitent dans le 93, ce sont des gens qui sont capables, qui font systématiquement tous les mêmes actions, tu vois, bref. Et que ces actions consistent à taper sur les autres et faire de l'humour dessus. Et faire de l'humour dessus, c'est juste continuer à entretenir ces préjugés-là. Parce que même si toi tu n'y crois pas, quand tu fais de l'humour, t'es pas sûr que les gens autour de toi ils y croient pas. T'es pas sûr que les gens qui ont pas forcément beaucoup d'esprit critique y croient pas. Et que finalement, à force de le dire, bah, les gens finissent par y croire quoi. J'espère que. Mais tu seras en cuite? Tu seras en cuite, d'accord. Eh bien tant pis. Je me débrouillerai sans toi, voilà. Non, le type, voilà, il passe son temps à dormir parce qu'il bosse le lendemain ou à aller se bourrer la gueule. Du coup, merci à tous ceux et celles qui sont passés, tous ceux qui sont passés aujourd'hui. Et à bientôt!